Bonsoir. Alors, juste le temps d'installer tout ce qu'il faut. Voilà. Ici, tout est good. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue tout le monde. Merci Stinifor pour le host. Thank you Stinifor for the host. Alors. Hop, alors si quelqu'un est déjà là, est-ce que c'est possible de me dire dans le chat si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien? Si tout se passe bien au niveau du son. Je vais baisser peut-être un petit chouïa. Voilà. Je vais baisser de mon côté aussi. Thank you again, Stinifor, for the host. Ok, donc nous voilà. Wow. Nous voilà partis pour la troisième partie de notre live Magical Girl Weapon Design.
Donc je vous rappelle ce qu'on a déjà fait. On a donc décidé de travailler avec les viewers sur un concept de Magical Girl et essayer de faire une création autour de ses armes. Donc en imaginant un background, en gros une Magical Girl qui s'appelle Sophie, qui est au collège et qui un jour en rentrant chez elle, donc qui étudie la couture, et qui un jour en rentrant chez elle découvre sous son lit un coffret qui contient des ciseaux magiques. Donc ça, c'est les ciseaux magiques que vous avez là. Et ces ciseaux magiques sont l'artefact qui vont lui permettre d'invoquer le pouvoir des étoiles et de se fournir deux armes. Donc on a appelé, si je me souviens bien, ça doit être ici. Ah oui, voilà. Donc on a appelé Isabella et Anna. La lance Isabella et l'épée Anna. Voilà. Salut musique de jeu, comment ça va? What's up? Zik, est-ce que tu peux tout de suite me dire si tu veux bien, si au niveau du son tout va bien, si la musique est pas trop forte ou si on l'entend assez? Normalement, j'ai augmenté, alors j'ai découvert qu'il y avait des filtres son sur OBS et qu'on pouvait augmenter le son. Désolé, je suis avec de l'image, pas du son. Donc, normalement, on devrait m'entendre un petit peu mieux. Tout ok, super. Bon, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va travailler sur le coffret. Donc, qui a permis. Salut Chassod, comment ça va? Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le coffret donc, qui contenait la paire de ciseaux. La paire de ciseaux magiques. Voilà. Donc, on va travailler sur le coffret en essayant de respecter un petit peu l'univers et en essayant de donner des informations finalement. Aux potentielles personnes qui pourraient regarder l'animé. Imaginons que ce soit un vrai animé, on pourrait essayer d'utiliser le coffret pour lui donner des informations et sur la magie des étoiles et sur Anna et Isabella. Voilà. Donc c'est ce sur quoi nous allons travailler ce soir. Salut Planète Théo, comment vous allez les enfants? Et je suis en train de manger des M&M's de Noël. En fait, c'est mignon, je vais vous montrer, faut que j'en trouve un gros. Voilà, celui-là est un peu abîmé. Attends. Regardez. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je vais essayer de vous le montrer. C'est un petit M de M&M s'entourer d'un flocon de neige. C'est cool. Donc voilà. Donc on a des M&M's, on a du café, on a des viewers, on va pouvoir se mettre en route. Je host, je veux mes Ludostars. Mais oui, carrément. Alors, et Stinifor aussi a ses Ludostars. Je vais vous les mettre tout de suite. Bim, bim. Hop. Et comment il va, Modozik? Il va bien aujourd'hui? Alors il y a Modo Sterdenko qui va passer dans la soirée, mais qui a un petit peu, qui va avoir un peu de, enfin du retard, c'est pas vraiment du retard, mais qui arrivera certainement en deuxième partie de soirée, parce que elle avait un restaurant ce soir. Voilà, comme on l'a pas vu avec pendant les fêtes, on l'a pas tellement vu pendant les fêtes d'Halloween. Elle nous a promis qu'elle serait là. Hop, Stini c'est fait. Et Planète c'est fait aussi. Enfin, je suis en train de le faire. 10 000 Ludostars pour Planète. Ah, ça augmente vite. Voilà. Ok. Comme ça, je peux jouer à des jeux de hasard. J'ai 2-3 viewers hein, qui font des jeux de hasard. Et donc, alors, hop. Donc, il y a des personnes qui sont en train de regarder aussi le live sur YouTube. Donc, je stream en même temps sur YouTube. Donc, j'ai la possibilité de voir les deux chats. Hein. Donc, n'hésitez pas à communiquer également dans le chat de YouTube. Il n'y a pas de problème.
Donc en tout cas, moi, je vous souhaite bienvenue aussi de votre côté chez YouTube. Le stream est de base principalement orienté pour Twitch, mais vous avez la possibilité de suivre sur YouTube ou nous rejoindre ici sur Twitch sans problème. Oh, c'est nouveau ça que tu fasses YouTube. Ouais, depuis que j'ai commencé les stream gaming, j'ai décidé de faire les deux. Et en fait, il apparaît que YouTube fait pas vraiment la différence entre du gaming ou du live normal. En gros, parce que je pensais que ça se dirigeait directement sur YouTube Gaming et que ça apparaissait pas sur votre chaîne, mais si, finalement. Donc, c'est juste la façon dont on indique le titre dans la vidéo qui va diriger vers YouTube Gaming. Donc, autant faire sur l'ensemble. Et on est déjà donc 7 viewers sur Twitch. Et on est déjà 2, 3 sur YouTube. Eh ben. Alors, bon, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que cette semaine se passe correctement. On est jeudi, c'est bientôt la fin de semaine. Courage à tous. Bon, on va y aller tranquillement. Hein. On va pas chauffer. Hop, je vais baisser cette petite tablette. Bon, et est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Parce qu'en fait, j'ai découvert sur OBS qu'il y avait et c'est pas trop compliqué, double stream à mettre en place. Mais non, pas du tout. Si tu veux, je t'expliquerai comment on fait sur en MP plus en détail. Mais en gros, en fait, donc, bon, il faut imaginer ce point-là, c'est moi. Ce point-là, c'est Twitch. D'accord? Donc avant, j'envoyais directement sur Twitch. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie sur une plateforme qui, elle, redispatche entre Twitch et YouTube directement en même temps. Voilà. Et donc elle fait ça, elle fait ça assez bien. Et tu peux, si tu veux, augmenter le nombre de finalement de plateformes qui vont recevoir ton streaming. Donc là, pour le moment, moi j'ai que ces deux-là, hein, donc j'ai pas besoin de plus. Mais franchement, c'est vraiment très très facile. Oui, on t'entend bien, je trouve. Bon bah ça va, tant mieux. Alors, je vais juste me réchauffer un petit peu les poignets et le pouce. Parce que j'étais au sport aujourd'hui et j'ai un petit peu forcé sur les poignets. Donc je vais avoir un peu de mal à dessiner. Donc il faut que je chauffe ça un petit peu. Et comment ça va Chasson? Et comment ça va? Qu'est-ce qui était déjà là? J'ai vu Chasson, j'ai vu Planète, j'ai vu Zik. J'ai vu Stinifor qui a hosté la chaîne. Mimi aussi. Mimi, t'as l'air d'être là, je sais pas. Bon, donc, question de background. Faut se poser la question de savoir qui sont Anna et qui sont Isabella. Donc, finalement, je me suis dit, en gros, puisque c'est des ciseaux qui se transforment en deux armes, avec, pour ces deux armes, deux étoiles, puisque je vous rappelle que, finalement, en gros, c'est l'étoile. Donc, on a imaginé quelques attaques potentielles, notamment la lance qui viendrait transpercer notre ennemi, et l'étoile qui se met à tourner, qui charge de l'énergie, et qui vient, par exemple, il y a une sorte d'éclair, éclair céleste, qui vient attaquer l'ennemi. Donc, on a deux étoiles, et finalement, en gros, deux entités, quand même, malgré tout, dans... C'est un peu un système duel, comme on dit. Donc, ce qu'on va faire pour le coffret, c'est qu'on va imaginer, justement, Anna et Isabella. On va les personnifier comme entité féminine. On va partir, en gros, sur une sorte de bas-relief. Donc, sur deux entités féminines. Deux déesses des étoiles. Deux étoiles jumelles. Donc, qui seraient venues. Et finalement, il faut imaginer comme si on avait... graver un petit peu le coffret avec ces deux déesses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce motif, voilà, avec les deux déesses, et ensuite on va venir le replaquer sur un coffret, et on va essayer de travailler le design du coffret un petit peu. Je vais bien, je me remets du concert de hier. Ouais, j'ai vu les photos carrément. C'était cool, j'espère. Il y avait l'air d'avoir du monde.
C'est classe le concept des ciseaux-armes. Bah ouais, tant mieux. Donc au début, on était parti en fait comme c'est des ciseaux mais de lames finalement. C'était d'imaginer deux épées. Mais après deux dagues, je me suis dit que ça serait quand même vachement plus stylé d'avoir une épée et une lance. Ça aurait plus de gueule. Et en gros, donc quand elle invoque, donc c'est l'épée ou la lance, elle les porte pas sur elle. Mais finalement, en gros, il faut imaginer un petit peu comme dans Final Fantasy XV. C'est que quand elle tend la main, l'épée en fait traverse le ciel et vient se planter dans le sol et elle attrape à ce moment-là la poignée. Voilà, donc pour montrer un petit peu le côté badass des armes, même si c'est un petit peu kawaii et mignon et joli, c'est des armes qui tapent fort. C'est le nom des armes, directement. L'épée, elle s'appelle Anna et la lance, elle s'appelle Isabella. Ce qui pourrait être deux noms d'étoiles finalement. Donc là, on a mis la BO de Little Witch Saga. Et tout à l'heure, après la pause, ou peut-être après, enfin, on verra où est-ce qu'on en sera, on se mettra au SR, de façon à ce que vous puissiez sélectionner. Ah ouais, je me demandais si c'était des noms DS. Ouais, bah, c'est un peu le principe, c'est pour ça que j'aurais donné des noms en A. C'était cool, mais il y avait genre 20 000 personnes. Je me suis pris des coups, j'étais tripoté par des types saouls. Mais à part ça, c'était cool. Bon, bah, ça va, du moment que ça a été une bonne expérience quand même. Que ça s'est pas trop mal passé. Alors, hop. On va. Hop. Voilà, se recréer un nouveau calque un petit peu à part. Voilà, on va juste réduire la taille. Ouais. Image crop. Voilà. Donc comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Je vais mettre un niveau de gris. J'ai modifié normalement l'apparence du chat sur le live, donc ce qui permet aux personnes qui regardent en replay de voir les choses un petit peu mieux. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, comme Stinifor et à Planetéo, de follow la chaîne, de follow la chaîne bien sûr, ça c'est important, mais de host pour les personnes qui follow déjà sur Twitch, parce que ça permet justement comme ça de faire connaître le live et de nous permettre d'atteindre notre objectif, notre follower goal de 100 followers pour le 18 novembre. Je vous rappelle que mon anniversaire c'est le 19 novembre et nous avons tous une mission qui est celle d'atteindre et 100 followers pour le 18 novembre à minuit. Auquel cas, il y aura peut-être une surprise. Donc surtout, je vous invite à host. C'est très simple. Il suffit, si vous ne savez pas comment faire, de cliquer sur le lien qui va s'afficher. Voilà, vous cliquez là-dessus et ça host automatique. Alors, j'ai entendu une petite alerte. Une alerte de la magie, c'est Mimirage qui host. Merci Mimirage. Comment tu vas? Ah ouais, là, je n'entends pas la musique du fond. Ah bon, je vais la mettre un peu plus fort. Voilà, normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Ça devrait être normalement plus cool niveau son. Vous devriez mieux m'entendre. Après, je peux peut-être encore augmenter le son, mais... Ouais, moi ça va super et toi? Des stars! Alors, Mini, il lui faut 500 de stars. Hop, hop, je vais te les mettre tout de suite, comme ça c'est fait. Et ensuite, on se met au travail. Mini. Voilà, hop. Et une petite prime de 500 stars. Et voilà, c'est
C'est fait. Attention, il est polygame le chaton. Le chaton se danse sur la musique. Oui, le chaton veut faire des ronrons avec moi. Oui, je vois ça, enfin il me grappe des snaps et il veut faire des ronrons quand même. Ouais, mais c'est trash talk, hein. Trash talk, c'est un petit fumier. Alors, on va rester en noir, c'est très bien. Juste monter un peu. Voilà. Donc, on va créer une petite compo sympa et ensuite. Ok, on voit en gros où est notre centre. J'espère qu'il aura une portée à jour Trash Talk. Mais je sais pas, c'est. En fait, quand je l'ai acheté à une vieille amie sorcière, elle m'a dit qu'il était de ces chatons qui ne grandissent jamais. Il a trop mangé de poussière de fée. Alors. Il va rester. Il risque de rester chaton. Bon, et juste pour le dire, parce que Kayatsu en fait m'avait laissé un message sur le Discord en s'excusant qu'il n'avait pas tellement de temps de venir. J'espère qu'il va mourir écrasé. Toi, tu vas mourir écrasé, zik de jeu, si tu continues. Attention, hein. L'élastique est tendu pour lui. Vous avez vu, j'ai modo zik de jeu maintenant. En fait, j'ai oublié de lui enlever l'épée et comme il fait très très gentil. Alors, j'ai pas encore trouvé de raison de lui enlever. Donc, soyez sages, hein. Parce que Zig de jeu, il est moins conseillant que Sterdenko. Et donc, Kayatsu, il me dit sur Discord, ouais, je suis désolé, j'ai pas tellement de temps de venir, mais c'est pas grave si vous avez pas le temps de venir. Vous êtes pas obligé, c'est pas une obligation. Moi, ça me fait super plaisir si vous venez me faire un petit coucou. C'est le principal. Vous venez quand vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne venez pas. Donc, pareil, Cora m'a envoyé un petit message pour me dire que ce soir, il ne pourrait pas être là. Mais c'est pas grave, je n'en veux pas du tout. Sterdenko, pareil, qui m'a dit mais je ne serai pas là tout de suite, je suis au restaurant. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous en vouloir. Je veux être modo. Bah, il faut soit que tu t'achètes un pass une journée. Donc, si par exemple tu l'achètes aujourd'hui, ça sera pour le live de ce soir. Ou alors, il faut que tu cumules 1 million de Ludo Stars. Et là, tu pourras t'acheter un pass. Forever. Après, là, j'ai déjà deux modos. Et on n'a même pas encore dépassé la barre des 100 followers. Donc. M'en fous, j'économise des lues de stars. Tu crois que c'est pourquoi que j'ai host-up? J'avais bien compris, Mimi. J'avais bien compris que c'était pour ça. Ben après, forcément, si j'ai plus de followers, bon, j'aurais besoin de plus de modos. Mais là, pour le moment, ça va, c'est pas. Donc après, si vous voulez qu'il y ait plus de followers pour pouvoir devenir modo plus facilement,
bah, il vous appartient aussi de partager la chaîne, de partager sur les réseaux sociaux pour que les gens regardent, ce genre de choses. Un petit Twitter, un petit coup sur Facebook. C'est une autre façon vraiment, vraiment chouette de pouvoir soutenir la chaîne. Et si vous le faites pas, en fait, c'est très difficile pour les streamers de pouvoir évoluer, surtout au début, parce que je sais pas si vous avez vu comment ça fonctionne, en gros, mais vous savez, quand vous cherchez là sur Creative des nouveaux... quand vous cherchez sur Creative des nouveaux... comment on appelle ça, des nouveaux streams, en gros, vous savez, vous avez les premiers qui sont ceux qui ont le plus de viewers au moment du live. Donc forcément, s'il n'y a pas trop de viewers, bah on reste toujours en bas. Et comme on reste toujours en bas, on n'a pas de nouveaux viewers. C'est le cercle infernal. Et pour pouvoir pallier à ça, et ben, voilà. Il faut faire connaître le live. Et c'est pour ça que vous êtes le noyau dur des soutiens. Donc n'hésitez pas à partager. Merci Zig de Jeu pour le host. Ah, Zig de Jeu, il veut ses 500 lunes de stars aussi. Alors. Hop. Voilà. Coucou tout le monde. Ah bah revoilà Stardenko. Mais t'es déjà sorti du resto? Je leur ai expliqué que justement tu m'avais dit que tu serais pas là tout de suite parce que t'avais resto. Elle a mangé en quatrième vitesse. Ah, oh, vite j'y vais, vite j'y vais. Ah, c'est cool, j'en ai plein, je sais pas quoi en faire. Bah, il faut aller sur la boutique, il y a plein de trucs. Quand t'en auras, je crois que c'est 200 000, tu peux avoir un fond d'écran pour ton portable personnalisé. Comme ceux que j'ai déjà fait, je vous montre, remonte pour les personnes qui les avaient pas vus. Où est-ce qu'ils sont? Alors par exemple, ça c'est un fond d'écran que j'avais fait pour Shinanessi. Donc là elle avait pas acheté avec les Ludostars, elle l'a eu parce qu'elle a fait un don à la chaîne. Et donc quand vous faites un don à la chaîne de minimum 5 euros, vous avez un fond d'écran. Mais vous pouvez bien sûr, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire un don, c'est pas grave. En étant là, de toute façon, vous accumulez des points. Et avec ces points, vous pouvez vous acheter un fond d'écran. Donc ça, c'est par exemple le fond d'écran qu'on avait fait pour Shinanessi. Celui-là, c'était pour Zik. Avec la Harle. Ça, c'était un fond d'écran pour Cora. Donc qui a fait un don et qui est devenu subscriber aussi. Ça, c'est Mimi. Les dragons blancs, voilà. Et Mimi donc qui a fait un don aussi, je crois. Si oui, qui a fait un don, exactement. Voilà. Donc vous avez les deux possibilités. Soit vous allez les accumuler, ou soit vous faites un don à la chaîne. Vous avez les deux possibilités. Et ça va assez vite en fait. Vous en gagnez 10 par minute, hein, des Ludostars. Il y a des coffres aussi qui apparaissent. Donc je vous invite à regarder le live si vous êtes sur Android. Alors regardez sur PC parce qu'il y a des coffres qui apparaissent. Et quand vous cliquez sur le coffre, vous avez 200 Ludostars. Des hosts, etc. Donc, je vais être moto. Cette réputation mort de rire. Ouais, écoute, il me faut quelqu'un qui fasse preuve. Franchement, dans la team, il faut quelqu'un qui fasse preuve d'autorité. C'est pas moi. Morfou, j'économise. Ça sert à quoi Pick a Card dans les trucs avec les Ludostars? Moi, c'est un petit jeu. En fait, en gros, il faut que tu choisisses, tu sélectionnes des cartes. Et puis, si t'as bien misé, tu gagneras des Ludostars supplémentaires. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Chassotte, c'est un jeu de hasard. Tu peux perdre et gagner des Ludostars. T'inquiète pas, demain, je l'aurai ramené plein de monde d'ici là. Ah bon, ça marche. Ah, cool. J'en ai plein, je sais pas quoi faire. Coucou tout le monde. C'est vrai, je suis un noyau très très dur. Comment ça va, Stel? Ça passe, et toi? Libère un elfe. Ah, Natsu a hosté la chaîne.
Ah, Planète Théo a redit Manelf. D'accord. Alors. Merci Natsu pour le host. Comment ça va? Alors, on va donner les 500 lits de stars à Natsu. Déjà. Ok. Et ensuite, un elfe. Hop là, je l'accepte. Et c'est le premier elfe de Modotheo. Tu vas devenir libérateur d'elfes sur le Discord, Modotheo. Donc, voilà. Hop. Tac. La commande qui va bien. Et voilà. Alors. Yo, monsieur Ludo et sa communauté. Mon host s'est pas affiché. Ah si, peut-être. Mais si, si, je t'ai donné 500 Ludo Star, c'était. Modo. Ah mais non! C'est parce que c'est vrai. En fait, en gros, c'est parce que comme il est modo chez Cora, en fait, j'ai pris l'habitude de dire Modo Théo. Planète Théo, c'est plus difficile à dire que Modo Théo. Regardez-moi le sourire de cet elfe. Mais je suis chez Cora. Alors, bon, on va travailler un petit peu quand même. Il faut pas rigoler. Et encore une fois, bienvenue aux personnes qui suivent le live directement sur YouTube. N'hésitez pas à venir parler aussi, je répondrai directement dans le chat de YouTube, il n'y a pas de problème. C'est la magie de la technologie. On peut tout faire en même temps. Alors, on va avoir besoin d'une étoile. Donc là, en gros, je fais la composition hein, de base, vous l'aurez compris. On va essayer de trouver un petit truc un peu sympa. Qu'on va venir reprojeter sur un coffret en perspective. Tu as vu mon host Ludo? Ouais, j'ai vu ton host et je t'ai mis tes 500 Ludo Stars Natsu. Proto Théo, Super Théo en fait. On pourrait trouver des chouettes surnoms, ouais, carrément. Vérine. Il va passer plus de temps avec ses Ludo Stars qu'à bosser. Mais ouais, carrément, merde. C'est en attendant que Streamlab automatise un petit peu tout ça. Alors, les personnes aussi. S'il y a des personnes qui veulent venir discuter avec moi en live, il y a maintenant un encart. Donc, surtout les modos, si ça vous dit. Vous pouvez venir, envoyez-moi un MP et je vous enverrai le lien sur le Discord qui vous permet de vous connecter au salon vocal de façon à ce qu'on puisse vous entendre. Et voilà, et comme ça on pourra discuter aussi de vive voix si ça vous dit, pendant que je dessine. Planète Théo, t'es pas crevé après le live d'hier? Putain, il a fini à 5h du matin. Ludo Pensa, je te. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Vérine.
En plus, c'est bien, Vérine, pour les fêtes de Noël. Tu peux faire des super apéros dedans. Alors, hop, on va rajouter un petit. Alors, donc on a dit qu'on partait sur deux sœurs. Deux sœurs, hein. On va styliser un petit peu. On va partir sur un profil humain, mais stylisé en déesse des étoiles. Verline, l'enchanteur Wolverine, pas vert. Mort de rire, Ludopensol, tu connais le sort de mon ordi. Ouais, c'est clair. Ah oui, par rapport au... Bon, ça allait encore, hein. Enfin, c'est si vous voulez, hein, si ça vous dit de venir... Et même les viewers, hein, si ça vous dit de venir... faire un petit coup en live qu'on puisse discuter de vive voix. Vous êtes les bienvenus. C'est l'occasion justement de tester ce système-là parce que j'ai encore jamais essayé. Planète Théo aussi, si tu veux passer, tu peux, il n'y a pas de problème. Oh, trop de boobs. C'est le boobs des étoiles. Chevelure parce que forcément c'est une déesse des étoiles, elle va tout le temps chez le coiffeur. Comment, Ludopensol, tu veux qu'on vienne sur le Discord vocal? Bah oui, c'est si vous avez envie. Si vous avez envie de me dire bonjour en live, il n'y a pas de problème. Pareil, hein, Zik aussi. C'est parce qu'en plus ça me permet de tester un peu le système. Après, si vous dites des bêtises, je vous taperai très fort. Ah bah si tu veux, le pencil. Ah bah voilà, venez. Envoyez-moi un petit MP, comme ça on vous entend. Comme ça je vous envoie le lien. Après, il faut m'envoyer un petit MP, comme ça je sais qui veut passer. Pas. Parce que je vais pas mettre de lien open pour tout le monde. Mais il faut avoir un sujet de conversation, sinon c'est tout nul. On peut déjà se dire bonjour. D'ailleurs, je suis... Moi, j'ai déjà fait ça chez Waxo. Bah, c'est cool, tant mieux. Ah bah voilà, allez, Esther, viens. En fait, tu dessines quoi? Bah écoute, c'est très simple. Natsu, je vais te montrer. Hop là. Alors, attends, faut juste... Voilà. Donc, en gros, on est en train de faire du design de props. On dit ça en anglais. Props design.
d'une magical girl. Donc on a imaginé en gros une gamine qui s'appelle Lucie, qui va au collège, qui étudie la couture, et qui un jour en rentrant chez elle, découvre sous son lit un coffret. Elle ne sait pas qui l'a posé là. Et dans ce coffret, une paire de ciseaux magiques. Et ces ciseaux vont lui permettre d'accéder au statut de magical girl. Donc comme Sakura Card Captor, comme Sailor Moon, c'est un peu le même principe. Et donc ça va lui conférer des pouvoirs magiques, mais aussi et surtout ça va lui conférer des armes de Magical Girl, à savoir Anna l'épée et Isabella la lance. Voilà. Et donc là on est en train de designer le coffret qui contient les ciseaux. Voilà, on essaye quand même de faire toute la panoplie complète de ce sujet. Si j'ai un salon, attends je vais te l'envoyer. Hop, tac. Voilà. Des ciseaux magiques pour mes cheveux. Non. L'Asie, franchement, je crois qu'ils ont pas assez de magie. Il te faut des ciseaux magiques, zig de jeu, parce que t'as des cheveux magiques. Je vais vous montrer. Attendez deux secondes. Je vais vous montrer. Hop. Ils ont une vie à eux. Réincarnation de Samson. Tant que vous vous approchez pas de mes cheveux. Gardez ces zigs de jeu. En costume d'Halloween, Harry Potter. Il a une belle chevelure. Donc je l'embête sur ses cheveux, je lui dis de les couper. Tu quitteras aller chez le coiffeur. J'ai l'impression. Dans son esprit de. Dans sa nature de contradicteur, j'ai l'impression que plus ça va et plus ça pousse. Un de ces quatre, il aura une queue de cheval comme ça qui descendra jusqu'à ses reins. Donc, ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore suivi Zig de Jeu sur sa chaîne. Donc, Zig de Jeu fait des streams aussi. Il fait des streams gaming et il fait aussi de la composition musicale. C'est un super compositeur. Donc, si vous arrivez à faire abstraction de la coupe de cheveux, eh ben, je vous invite à le suivre, parce que c'est très très agréable. Souvent, je le mets aussi l'après-midi pendant que je bosse. Et comme ça, on l'entend dire 200 fois « putain, 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 putain !» Parce qu'il est énervé, donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à suivre Zig de Jeu. Vous cliquez sur son pseudo et vous pouvez follow direct. Travail, mais oui je travaille, oh là là. Eh on a. Et c'est jeudi soir. On a le droit de se détendre un petit peu, non? Oh là là. On est pire qu'en Corée du Nord ici. Coucou Sterdenko! Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va? Ouais, tu m'entends? Allô? 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 Ça va pas. Ça va pas. Allô, allô? Il y a du bras dans le tuyau. Ah, information de connexion.
Bah si, normalement ça devrait marcher, moi je t'entendais bien. La voix de Stardenko, mais oui, c'est la voix de Stardenko, c'est magique. C'est la voix de maman. C'est la voix de maman. Ouais, c'est vrai que les gens ils connaissent pas ma voix encore. Alors attends, comment je fais pour monter le son? Attends, hein. Je vais faire ça. Attends deux secondes, hein. Alors là, le son il est à fond. Je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Alors, t'as passé une bonne journée, dis-moi. Ouais. Ouais. Bon, je compte sur toi pour me lire les conneries. Les conneries qu'ils écrivent sur le chat. Hein. Parce que sinon, je vais me faire engueuler parce que je dessine pas assez. C'est ça, en fait, t'avais besoin d'une voix off pour lire, comme ça tu peux bosser sans te faire engueuler. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est cool en plus, je trouve, de pouvoir avoir des personnes qui viennent faire un petit coucou comme ça sur un petit salon. Puis je voulais vraiment tester, voir un peu comment ça fonctionne et tout. Alors, je sais pas, Ah, Planète Théo dit que tu as une jolie voix. Ouais, c'est trop mignon. Vous l'entendez bien ou il faut que je monte le son? Je pense qu'ils entendent pas bien, sinon ils diraient pas que j'ai une jolie voix. Ils diraient pas quoi? Que j'ai une jolie voix. Ah, ça y est. On est dans la période d'autoflagellation. Attention. Attention, Stardenko. Ne commence pas. Bah viens, Mimirage. Mimirage, elle pleure parce qu'elle veut venir en vocal. Viens, Mimirage. Viens sur le... Si t'es sur le Discord, envoie-moi un MP en Discord et comme ça, je te file le lien. Ah, Planète Théo et Mirage disent que la musique est trop forte et donc du coup on nous entend pas bien. Ah, on va baisser la musique. Ezic de jeu s'impatiente que tu bosses pas. Oh là là, Ezic de jeu. Ah, c'est Mirage. Parle deux secondes. La musique elle est trop forte. Ah voilà, là ça devrait aller mieux. Ouais, mais il va changer ça là. C'est good là maintenant? Je sais pas ce que j'ai envie de dire, moi j'ai que le vocal, sinon j'avais un décalage. Ah mais donc, Mimirage est là aussi, coucou Mimirage. Ok. Tu nous entends? T'as l'air... Mimirage c'est l'enthousiasme même. Ah, Planète Théo qui dit qu'on entend plus toute la musique, franchement. Ludo va falloir que je trouve le bon réglage, je pense. Normalement, bon, hey. Est-ce que ça va là maintenant niveau son? C'est compliqué, hein. En plus, le problème aussi, c'est que je peux pas me lancer un live. Je peux pas tester en fait le truc. Parce que sinon, en fait, ça envoie le live directement sur Twitch. Et tout le monde reçoit un mail. Il y aura un live. Allons-y. C'est parti. Bon, ça va les filles? Ah, musique toujours trop forte. Ah, musique trop forte encore? C'est un peu. Il a dit beaucoup trop fort. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Oui, non, non, oui, non. Renvoie pas le Discord en MP. J'avais viré tous mes Discords il y a quelques temps, mais c'est pas pour parler, d'accord. Renvoie pas le Discord en MP. Renvoie pas ou renvoie-moi? J'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, quoi de neuf, Mimirage, pendant que Ludo il essaye de gérer ça. Voilà. Ah, du coup, t'as réussi à baisser. Pardon, désolé. C'est pas joli. Bah ouais, mais bon, écoute, je me suis planté en cliquant sur moi. Sur mes touches. Théo, il a besoin apparemment que tu règles le son individuellement des personnes qui parlent sur ton Discord. Ah, ça se fait ça. Ah ouais. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Que sur moi et sur elle, et il faut que tu augmentes le volume des voix. Volume de l'utilisateur, c'est marqué dessus. Quand t'es sur vocal, par exemple, moi le Mimirage, je l'entendais pas assez fort, et ben j'ai monté le son Mimirage, mais pour moi. Et toi, ce que tu vas modifier pour toi, tout le monde va l'entendre. En fait, vous êtes à 100%. Ah bah là, tu peux pas faire mieux.
C'est pour ça que je crois qu'en fait il faudrait que la musique elle soit coupée, mais. Bah je crois que. La musique. La musique de jeu et Planète Théo qui avait l'air de vouloir entendre la musique. Il faut aller jusqu'à 200% sur Discord. Ah, 200%. Alors, on va faire ça. Link de l'utilisateur. C'est incroyable. Muet. Non. Mais non, je ne peux pas. J'ai un vieux Discord, bon sang. Ah, t'entends, mais pas comme c'était, je crois. On va parler un peu plus fort, hein, faites comme moi. Hein. Soit, Mirage, tu parles ou pas? Ah, quoi? Non. Ah, ça y est, là, on vous entend bien, c'est je crois. Bien. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, Mirage ne parlait pas. Ah, d'accord. C'est parce qu'elle est toute petite. Ah, oui, c'est sûr que si je parle pas, on risque pas de m'entendre. Bah, c'est clair. Bah c'est ce que j'ai fait, Planète Théo, mais ça a pas marché. Tu as Discord sur Internet ou en logiciel là, en l'occurrence, je suis sur Internet. Je crois que j'ai hâte d'avoir mon nouvel ordi avec une meilleure connexion. Ah, ça y est, alors tu vas avoir un nouveau PC. Je vais genre être une vraie modo, tu vas voir. C'est vrai. Comment j'ai hâte d'être vraiment chez moi toute seule. Oh ouais, ça ce serait bien aussi, Mirage. De quoi? D'avoir quoi? Mon chez moi. Ah ouais. Rien qu'à moi, avec personne pour m'embêter. Oui, je suis trop d'accord. Pourquoi là t'habites où? Non mais oh, on en est marre qu'on m'appelle toutes les 5 minutes. Ah, ta famille. Ah ouais. Ah oui, non mais ils sont chiants, hein. Ils sont chiants. D'accord. Tu sais, le genre de famille bien chiante qui t'appelle tout le temps. Planète Théo qui dit qu'il faut qu'on se prenne, une maison à deux avec Mirage. Moi je veux bien, mais tu me prêtes les sous, Planète Théo, ou comment ça se passe? Prenez une maison à deux, c'est un coup de Mirage. Alors attends, tu as Discord, tu as Didi. Et alors, Ezzy, que je vais renvoyer le lien, non? Ouais, tu l'as envoyé le lien normalement. Ouais, normalement si tu cliques sur le lien, Zik, tu devrais l'avoir. Il me dit je suis sur iPad. What? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il est sur iPad, il peut. Même s'il clique sur le lien, ça fera rien en fait. Ah bah voilà aussi, acheter Apple. Voilà, c'est ça. On veut faire. on veut faire le beau gosse, on achète Apple. Et puis, bah ouais, mais alors comment. Ah si, il faut que je lui renvoie en MP, d'accord. Attends. Alors. On va chuchoter à son oreille. En tout cas, il est revenu sur le Discord. Hein. Il y a la notif qui dit que Zik de jeu, il est... Ah bah il a trouvé. Il s'est remis sur le Discord. Ah bon, ça va. Et donc, mais il veut pas venir parler. Ah, c'est que t'es sur ton PC. Non, Planète Théo, c'est que j'ai un... Comment te dire? Mon ordinateur est un vestige. Un portable qui a plus de 11 ans et qui décide d'étendre les pages internet en plein milieu, comme ça, juste pour le fun, et plein d'autres petits trucs comme ça, et on dirait que je suis à côté d'un avion en réaction. J'ai hâte d'avoir un nouvel ordi, c'est entre autres pour ça, donc du coup le son très désagréable, c'est moi. Mais je crois qu'on l'entend pas, hein. Tu sais ton ordinateur, le ventilateur de ton PC. Je l'entends un petit peu en fond. Ah ouais? C'est parce que là il est à peu près calme pour le moment. Il a ses périodes, tu sais, c'est comme une chat quand il se met à courir partout dans la maison de Paddy. C'est un peu ça. Petit quart d'heure de folie, tu comprends pas. Ça va, c'est léger, pas écoutant. Mais... J'ai essayé de faire un max de réglages pour diminuer le truc pour lui, mais. C'est pas simple. Ah, enfin. Je sais pas si je vais faire un gros. Ça, c'est de costume. Bon, du coup, vous avez pas mis beaucoup de photos d'Halloween, hein? Bah, et, en fait, le problème, c'est que je peux pas faire de trop. Tu peux pas faire quoi, Ludo? Je pouvais pas en faire de trop des photos. C'était trop Halloweenesque. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.
Ah, bienvenue au club chasse-roi. Donc ouais, donc en fait j'en ai fait une juste avec mon maquillage de base. Et puis après voilà. Après c'est tout. Mais en tout cas moi je me suis bien mis, c'était vraiment j'ai passé une chouette soirée. J'espère que t'as vous. T'as lu le message de Planète Théo? Quoi? Bon. T'as lu le message de Planète Théo sur le live? Non, j'ai regardé. Alors, Planète. Personnellement, je suis un petit peu dégoûtée quand même. Hein. Halloween, c'est ma fête préférée dans l'année et ben, j'ai pas fait grand chose en fait. C'est vrai? Ah oui? Ouais, y avait pas grand monde qui faisait quoi que ce soit, donc du coup, ben, je suis sortie, j'ai fait du Pokémon Go, je suis rentrée. Voilà. Ah, je suis à toi. Ludo Pencil a trouvé le moyen de s'en tirer de femme. Le génie, c'est le talent. Ah bah oui, surtout vu ce qu'il m'a dit. Moi, je l'ai dit deux fois et je vais le répéter encore dans deux semaines. Surtout ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il c'est dit fini, Louis, hein. C'est le 31. Cette année, là, c'est la défense. Et Zee qui dit, ah bah oui, surtout vu ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait pour Halloween, je comprends pour les photos, non. C'est faux, voilà, je ne t'ai rien dit, Zee de jeu. Tu as imaginé toi-même. Va falloir qu'on pose, Ludo, il y a des infos qui me manquent. En tant que moto, je dois savoir ça. Les dossiers. Bon, franchement, si vous me suivez sur Instagram, en général, il y a quand même pas mal de trucs hein, sur ma life de la night. J'avoue que je suis pas du genre à stalker les gens sur Insta et autres. C'est vrai? Ah, moi j'aime bien, je mets tout moi sur Insta. De toute façon, je m'en fous, j'aime bien. Il y a plein de gens qui me disent oh, t'exagères. Ouais, non, moi cette année, tout le monde finit ma maquillage. Ah oui. Je vais finir. Ludo qui s'exhibe sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas vraiment. C'est parce qu'après, moi j'ai beaucoup d'amis. J'en ai beaucoup qui sont sur Insta, enfin en tout cas qui discutent beaucoup sur Insta, plus que sur Facebook. En fait, j'ai l'impression que tu vois, Facebook ça gave un peu les gens. Ah bah, moi, Facebook, clairement, je vais plus dessus. Hein. Les notifications de ceux qui jouent au jeu et tout, là, ça m'a trop gonflé. Ah, hop, c'est fini. Ah ouais. J'abandonne le principe. C'est fini. Tu voulais pas envoyer des vies pour. pour le ah jeu non, des mais bonbons. Non, ça suffit. Je vais quitter Facebook parce que. Ma grand-mère, elle est hyper connectée, donc du coup, à chaque fois, elle m'envoie une notification de jeu. Moi, je suis là. Ah mode. Ouais. Ah, c'est chiant cool, ça quand même. Oui, non, mais c'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. Je suis en train de vous dire que c'est chiant, que c'est cool. D'accord. C'est pas juste. Ah ouais, mais bon, tant mieux qu'elle est connectée. Il vaut mieux ça que. Ah ouais, non, mais ma grand-mère, elle a Snapchat, elle a Facebook. Elle a oh putain! C'est vrai, elle a Snap! Elle est bien ma grand-mère! Ah, c'est cool! Non, mon père il s'est mis. Alors, j'ai pas, on n'a pas entendu ce que t'as dit, Stan, ça a coupé. Non, je disais juste que mon père il sait même pas utiliser Facebook. Ah ouais? Il joue à un jeu en ligne et il est persuadé que c'est un geek. C'est vrai? Je te jure, genre un jour il a essayé de m'expliquer ce qu'était un MP, j'étais morte de rire. Ah bah après ça dépend aussi. Je jure quand même. Ça dépend s'ils sont habitués ou pas. Tu vois super tôt quoi. Il y a des gens qui sont habitués plus facilement que d'autres nouvelles technologies. Hein. Facebook c'est pas si vieux hein, malgré tout. Ah quand même quoi, enfin je veux dire j'étais pas encore au lycée. Hein. Ouais mais non mais je veux dire par rapport à ces générations, quel âge il a ton papa? Bah il a 50 ans, il va sur ses 54. Mais ça fait quoi? Ça fait 10 ans que ça existe Facebook? Je savais pas, c'était créé quand? Bah non, il y a 10 ans, j'ai fait Bike il y a 10 ans. Bah ouais. Oh, tu crois? Attends, pas regarder Facebook. Ah non, Facebook, non. Moi j'étais pas encore au lycée, il me semble, ou alors au début du lycée. Hein. Y a au moins 15 ans. Hein. T'as 15, 20 2 ans, milliards d'inscrits. Folie. Ah bah ouais. 2004. Ah bah il a réussi son coup hein. Ouais. Donc il y a. Il a bien réussi hein. Ouais. C'est fou hein. Sérieux.
L'enquête commence. Non, il n'y a pas d'enquête qui commence. Le détective parfait. Le mystère reste entier. Imaginez, je peux retrouver le texte sur mon stream en replay. Les vues dossiers. T'arrêtes, Vérine. Le mystère se perçoit dans ses cernes. Mais j'ai pas de cernes. Fuck you. Même Jésus, il avait Facebook. À Orléans, il y a un mec qui est un ami à moi qui est connu de quasiment tous les Orléanais et qu'on appelle Jésus. Ah ouais? Facebook. Moi aussi, j'avais mon Jésus dans mon on a, je crois qu'on a tous un Jésus. Mais ouais, le nôtre, quasiment tout le monde à Orléans le connaît. C'est incroyable. Ah non, mais nous, ils connaissaient l'intégralité du lycée et puis ils étaient là en mode, dès que quelqu'un arrivait, c'est « Oh, ça va, Jésus !» Ouais, t'inquiète. Mais non, je crois qu'il y en a un dans le lycée. Mais le pire, c'est qu'il en avait vraiment l'apparence. Tu vois la grosse bouteille énervée. Je sais pas Jésus. C'est quoi, ouais, c'est ça. Jésus. Le Jésus métal, le pas content. Ah. Ouais. C'est bien ça. C'est le... On a Cora pour un Jésus métal. Le bon gros métalleux bien vénère, tu sais, qui est là et qui écoute son métal toute la journée. Bah, tu vois, ça c'est pareil. Ouais, ouais, bah ça c'est pareil, il a aussi un. Elle a aussi un rajout. C'est moi ou la musique a augmenté? Je sais pas, mais Planeto, elle est super bénie. Bah ouais, hein. Alors du coup, ça fait quoi pour Halloween? Coton, on peut avoir des petites anecdotes? Ah, moi j'étais en Belgique. J'étais en Belgique pour Halloween. J'ai des amis, donc un pote qui avait organisé une soirée chez lui, qui a un super gros appart. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, Mimi? Pourquoi? Non. Pourquoi tu me fais ça, Photoshop, s'il te plaît? Ah, d'accord. Sauf qu'elle était en crise. What? Qu'est-ce qui arrive? Je vais péter un câble. Et donc, soirée en Belgique, dans un grand appart. On est arrivé, François, il avait fait une déco de fou. Toutes les lampes, dans toutes les ampoules, dans toutes les lampes étaient rouges. Il y avait des bonbons, des gâteaux, des chips, des trucs partout comme ça. C'était vraiment sympa. On a fait quand même quelques bars. Ça va pas. De quoi? Je ne les entends plus. Mimi? Si tu as dansé, je t'ai imaginé en Magical Girl la corde de la musique. Ouais, mais ça sonne, il y a une vidéo. Je crois que c'était Slend qui m'avait clippé en disant que je faisais une super Magical Girl. Il faut regarder sur le... Qui est là? Il y a Zig de jeu qui est dans le salon vocal général. Bah oui, mais non, c'est l'autre, c'est dans le stream vocal, Zig. Mais fais-le glisser. Tu le prends et tu le fais glisser, je pense que ça marche. Cal, il est privé, donc il pourra pas y aller. Voilà. Maintenant, Zig de jeu, il faut que tu actives ton micro, sinon ça marchera pas. Ah ouais, on bascule sur vocal comme ça, moi. Salut. Salut, Zig. Attends, je vais couper, on va entendre le double, là. Yo. Ah bah oui. Ah ouais, mais d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Travaillez un peu, s'il vous plaît, monsieur. Je vous regarde depuis tout à l'heure, là, c'est très intéressant, mais ça bosse pas beaucoup, là. Ah, écoute, je fais ce que je peux. T'as trouvé une voix de faire de la radio. Ah ouais, là, je sais pas quoi dire, là. C'est vrai? J'étais tranquille. Attends, parce qu'il y a la musique, elle pète à câble. Bon, tais-toi, attendez, hein, là. Les zigs de jeu en direct, attention. Chut. Voilà. Bonsoir. Ah oh, non, mais il a trop une voix de faire de la radio. Ouais, zig à fond, hein. Qu'est-ce que tu racontes de beau, zig? Tu fais quoi, là? D'accord. Y'a plus personne qui cause. T'es en pyjama pilou? Et tu regardes le live? C'est à moi qu'on parle, là? Bah oui, hein. Il faut leur comprendre. Non, j'étais sur Overwatch.
Ah, tu joues! Bah oui, mais c'est mal. Non, mais c'est bon, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Ah, bah non, j'espère qu'on t'a pas cassé ta non, partie. Non, t'inquiète. T'as perdu. Ouais, de toute façon, on gagne rarement un jeu. Non, mais tu gagneras. Et bah là, je vois que à l'instant, ils sont en train de faire un tirage au sort pour gagner un coffre Overwatch. Ah! Voilà. Et sinon, il y a Sheena, il faut lui dire bonjour, les gens. Ah, salut Sheena, comment ça va? Il y a des voix, mais oui, il y a des voix. Aujourd'hui, on essaye. Bonsoir. Bon, il faudra régler quelques petites choses. Mais on essaye le stream vocal avec des viewers. Donc, n'hésite pas hein, si tu veux venir en vocal. Donc, on est avec Sterdenko et Zig de jeu. Ouais, c'est pas des viewers, c'est des modos, quoi. Bah, là, en l'occurrence, ouais, mais Mira, c'était pas un modo. T'as le gratin, t'as que des modos. Maintenant. Il y a trop de voix. J'entends des voix partout. Et encore, il y avait Mirage, mais on l'entend plus. Ah, voilà les Natsu, Natsu. Salut Natsu. Mon PC, il avait crashé. Bonsoir les voix, bonsoir Sheena. J'ai perdu tout ce que j'ai fait. Ah merde. Il y a Sheena qui dit bonsoir les voix. Bonsoir Sheena. Salut. Bonsoir. J'ai actuellement envie de pleurer. Oh, mais t'inquiète pas, Mirage, tu sais, au bout d'un moment, quand ton ordi il crache entre une à quatre fois par jour, tu commences à relativiser. Non! Bah, je jure que c'est. Et bizarrement, tu commences à beaucoup plus souvent enregistrer ton Photoshop. Ça devient instinctif, c'est bizarre, hein? Ah bon? Oui, mais normalement, je devrais pas le faire, tu vois. Je devrais pouvoir bosser librement dessus. Attendez, il y a Ludo, ouais, Zik, Ster et Mimirage. Mais oui, Natsu, il y a Zik, Ludo, Ster et Mimirage en live. C'est bon, on va tous se ramener, les gars. La prochaine fois, on essaiera le live vidéo. Non, franchement, je vous le déconseille. On a fait ça une fois chez Waxo, il y avait un gros problème de tout Twitch. Et à tel point que les grands, ils avaient tous, ils avaient tous arrêté de streamer parce que ça fonctionnait plus. On n'entendait plus les voix, en fait. On avait que le son, enfin, que l'image, on n'entendait plus les voix de plus personne. Et des fois, même pour la plupart, le live fonctionnait plus du tout. Et Waxo était un des derniers à avoir encore miraculeusement son live qui fonctionnait à peu près, mais on n'entendait plus rien. Et du coup, il y a quasiment tout le monde, sauf que si t'étais pas sur le vocal, t'entendais rien et t'entendais juste Waxo qui s'éclatait avec les gens, mais t'entendais pas les voix des gens. C'était le bordel. Et si on allait tous ensemble, en fait, tout le monde parlait, tu savais plus qui parlait à qui, c'était juste l'anarchie. Franchement, évitez les lives où tout le monde est sur le vocal. Ça ressemble ouais, pas à mais non, mais là, c'est parce que là, c'est la fête, hein. C'est pour ça que tout le monde est là. Wahou! Il y a Planète Théo qui dit que Mimirage, c'est elle qui a le rire de Daron et pas moi. C'est elle quoi? Qui a une voix de Daron? Et Shinanessi veut que les voix se présentent. Ah bah oui, présentez-vous les voix. J'ai pas tout compris là. Ah, bonjour, Mirage, c'est bon, c'est moi, c'est Mimirage. Mimirage, je le rappelle, qui est de mes premières vieweuses. Oui. J'étais là au quoi, au deuxième? Ouais, exactement, au deuxième. Ouais, je me souviens, avec tes radis. GG pour Mimirage. Avec tes radis. Ah oui, ouais, mais non, c'était déjà des dragons, je crois, sans moi. Non, c'était des radis le premier, rappelle-toi. Ah, que je suis arrivée, j'ai fait ah, des radis. Ah, ça se peut. Mais oui, même quand on s'est tapé une grosse discussion sur les radis. C'est vrai. Tu t'en souviens pas? Bah non. Moi, je m'en souviens. C'est pas vraiment de radis, hein. C'est trop bien, les radis. Bon, et donc voilà, ça c'était Mimirage, et ensuite, qui est là? Présentez-vous. Bonsoir. Je suis occupée là. Zig de jeu. Voilà, ça fait 9 mois que j'ai arrêté de boire. Ça se passe bien. Bonsoir, cycle de jeu. Voilà, et après il y a moi. Ça me stresse, j'ai boire un coup. Oh non. Alcoolique anonyme, bonsoir. Après il y a Ludo et après il y a moi. Merci Mimirage pour la côte. Hein? Non rien. Juste un truc. Quelle aide, je suis arrivée. J'ai dit ah, t'es raté. D'accord. La fille qui kiffe les gratifs. Alors, grave. Mirage, elle a plein de fans.
parce qu'il y a Planète Théo qui adore ton accent, enfin en tout cas qui a repéré que t'as un accent, et chat qui aime ton rire. Merci. Arrêtez de joguer loin, c'est pas ma faute. Et comment ça va chez Nanessi? C'est trop bien. C'est pas rigolo les gens trop sérieux. Faut rigoler dans la vie. Oui, c'est vrai, c'est clair. Alors. Ça rigole plus. Je suis dépressif. C'est la merde. C'est pas cool la dépression. Faut parler attends, de rage. Venons parler de rage. YouTube 2 secondes. Voir si tout se passe bien de leur côté. Ah oui, bah voilà, on a toujours 2 viewers. Bonjour, bonjour les viewers de YouTube. Dites bonjour, vous. Bonjour. Ah mais tellement Chilin, il a trop une voix à faire de la radio. C'est comme chez Watson, on a Skyder qui a une voix de moto-moto. Et là, on a Zig de jeu qui a la voix de moto-moto. Et c'est vrai que du coup, c'est marrant de voir le contraste avec la voix de Ludo. Parce que moi, mais j'ai pas une voix pour faire de la radio. Non. Venez, on parle de radis. Bah disons que t'as une voix de petit jeune tout content, alors que Zig de jeu, il a la voix de radio. Quoi. De vieux chiant. Il y a des voix qui n'est pas bien, mais... De vieux chiant. Une voix de vieux chiant. Salut SDP Berlingo, bienvenue. N'hésite pas à faire un petit coucou dans Bichon. Le chat. Hein. Oh là là. SDP Berlingo. Bon, je dois partir du live. Oh merde, Natsu. Quel dommage. Tu vas tellement nous manquer, Natsu Dragnir. A plus. Bonne soirée. Oh, ça clash. J'avoue, ça s'envoie des patates, hein, dans le chat, hein. Les gens sont des radis. Les gens sont des radis. Parce que l'enfer, c'est les autres, c'est donc les autres. Je suis le paradis. Donc je suis paradis, donc vous êtes des je radis. Je suis paradis. Moi, je dis dans le chat. Voilà, à ceux qui savent. Mais, franchement, mais Planète Théo, j'ai tellement envie de copier ta phrase, tellement elle est belle, mais elle est beaucoup trop longue. Team Radis. Alors, bon. C'est joli. Bon, bah écoutez, ça marche pas trop mal, quand moi, même, j'adore, c'est parce sympa. Que ça me rappelle mon enfance. Oui, c'est sympa. Ouais. En plus, j'ai l'impression que les lives de Ludo me rappellent mon enfance. Et on est payé en Ludo Star là pour animer un petit peu ou quoi là? Bah pour être payé en Ludo Star pour animer, faudrait animer. Vas-y, de jeu. Faut pas seulement être là, faut parler. Un million. Allez, fais-nous rêver avec ta voix, Ludo. J'essaye d'animer un peu là, mets l'ambiance. Moi, j'ai ça pour vous, moi. Bon. Ça va, bon, bah, déjà j'ai rien demandé. J'étais là tranquillement en train de jouer et boum, je me retrouve ici et je dois parler maintenant. Non. Le mec, c'est une victime. Oh, ça va, hein. Comme si on y avait mis le couteau sous la gorge, hein, tu sais. Je suis pas du tout habitué à parler à des gens en plus, c'est pas comme si je streamais ou je sais pas quoi. Voilà, donc, exactement. Planète Théo commence à aimer le dessin seulement. C'est vrai? Seulement maintenant? Et Shina trouve que Ludo bosse pas. Mais si je bosse. Putain, mais c'est quoi ce harcèlement? Boss. Alors pour la petite histoire, Chyna, Ludo nous a fait venir pour qu'on parle, pour qu'on puisse lire le chat à sa place, pour qu'il puisse dessiner. Voilà, juste... pour qu'il y ait du temps pour dessiner. Non mais attends, non. Il est ever quoi. J'ai une communauté, les mecs ils racontent que des conneries dans le chat. Wesh. Donc moi je fais quoi? Je suis obligé de répondre. Je suis obligé. Mais oui, je suis d'accord, Planète Théo, je te charriais, mais t'as totalement raison, ça commence vraiment à être classe. On voit ce que ça va donner de plus en plus. Ah, d'accord. Ouais, moi j'aime bien la madame à droite. Ouais, il était en train de se plaindre qu'au début c'était un chier, quoi. C'est exactement ça. C'est plus là le maître de son live. Bah, oui, écoute. Non, bah, mais c'est normal. Planète Théo, je suis pas certaine que Ludo ait déjà été le maître de son live. Non. En fait, c'est les petits elfes qui sont derrière. Qui font genre, ouais. Ils sont enfermés. Libérer des elfes. Le pauvre Planète Théo, on est en train de... On est en train Afolo, de... Qu'est-ce qu'il dit Afolo. Ducci, RF, ouais, bon, follow. C'est vrai quelque chose. Hein. On a un objectif de 100 followers. Là. C'est vrai, en même temps, les follow. Là. Ça revient un peu à faudrait quelque chose. Faudrait que tu mettes aussi un jour... Il a l'air sympa pour que les gens follow si la chaîne. Un jour Planète Théo. Quoi? J'ai pas parlé en même temps, du coup, j'ai pas entendu ce que tu disais. Moi non plus, j'ai pas entendu ce que tu disais. Je disais, on a un objectif de 100 followers, alors ayez l'air sympa pour que les gens follow la chaîne.
Mais bosse pour qu'on te follow aussi. Mais je suis en train de bosser. Je suis en train. Regarde, j'ai mal à la... Regarde, j'ai la main qui est douloureuse. Non, ça c'est pour Halloween, ça, c'est toujours pas guéri, mais ça tue. Il faudrait que tu fasses venir un jour Planète Théo aussi en vocal, il a une voix cool aussi. Bah ouais, carrément. Là, je vais proposer, hein. Si Planète Théo, moi je veux bien en enlever un et remplacer par Planète Théo. Shina, il dit que t'es un dieu et que t'es un homme, donc tu sais pas faire plusieurs choses à la fois. Tu vas te calmer, Shina Nessi. L'élastique est tendu. L'élastique est tendu, comme on dirait dans le Nord, Shina Nessi. Attention. Tassioa. Attention. Planète Théo, j'aime beaucoup ce que t'as dit, mais je peux pas le dire à voix haute. Mais j'aime beaucoup, je valide. On dirait que Ludo Pensol est une sorte de poupée ventriloque et que ses elfes lui mettent les mains dans Planète Théo. Un peu de tenue. Quand même. Oh. Moi, je l'aime bien, Planète Théo, il est drôle. Mais oui, ils sont drôles, les gens. J'avoue qu'il est marrant, ton vernis. Oh, j'avais pas vu son message. Tim Brady. Avec le signe Illuminati. Il faudrait que je fasse une émote. Tout est radis, de toute manière. Mais c'était marrant, je me rends compte que à chaque live où je vais, au bout d'un moment, quand le streamer il commence à avoir un peu de d'ancienneté, en tout cas de à bien s'entendre avec sa communauté, il y a toujours des thèmes récurrents qui viennent et c'est jamais les mêmes. Ah, c'est intéressant. Genre toi, Ludo, ça va être radis. Merci pour ce moment. Nous allons passer à Planète Théo. Au revoir, Steph. Non, là, j'avoue, je m'auto-ban. Auto-time-out. Alors, j'ai pas compris. Si tu veux bien reprendre, mais doucement, parce que j'ai pas compris. Caca. Voilà. Alors, j'ai vraiment pas compris ce que tu voulais dire. En fait, c'est des choses récurrentes, mais c'est jamais les mêmes. En gros, chez Ludo, on va beaucoup parler de Radis. Chez Waxo, on va beaucoup plus parler de ces persos bizarres. Chez moi, on va parler de Champi. Chez Radis, ils sont des gens, on parle de choses différentes. De Champi ? Ouais, Cora, c'est les corbeaux. Ouais, carrément. Non, Cora, c'est les villes bloquées. Les sites de jeu, c'est les putains. Qu'est-ce que c'est ? Attention, hein. Orthographié comme ça, hein. Sinon, c'est pas rigolo. D'accord. Ah oui, c'est vieux. Qu'est-ce que c'est ? Les viewers sont moqueurs, mais le pire, c'est Ludo Pensol. Moi, je suis absolument pas moqueur. Mais non, mais c'est bien les radis. Venez, on parle de radis. Tel streamer, telle communauté. Ouais, ça, je suis bien d'accord. C'est vrai. Ouais, de toute façon, Ludo, on l'a toujours su, c'est toujours un radis. Ouais. King of radis. La ligue des radis. Bon, vous avez vu, je fais des traits pour combler les trous. Parce que sinon, on va dire, ouais, voilà, il a fait trop de traits, il y a plein de vides, il fait rien. C'est harcèlement moral ici. Petites étoiles ici, ça va être sympa. Oh, ça y est, on a 20 coques, les gens. On a quoi? Eh? On a atteint les 20 coques. Oh. Oh, GG. Mais oui, mais de toute manière, on le sait, hein. On l'a toujours su. Moi, je l'ai toujours su au fond de moi. Je le savais, je l'avais découvert dès le début. Qu'on aurait 20 coques. C'est ça? Tu m'as carotté? Mais moi je t'ai radisé. Pardon. C'est faire apparaître une côte, c'est. Je crois que c'est. Oui, t'es radisé. Ça. Il y a plein de numéros, par exemple ça. Et ben c'est absolument pas la bonne commande. Eh ben c'est pas grave, parce qu'on peut faire un truc de le radis avec d'autres radis.
Ah putain, Steph, faut vraiment. Faut que je te fasse un pense-bête des commandes. Il faut que tu colles ton point d'exclamation en ton quote, sinon ça peut pas marcher, je crois. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah si, c'est bon. Shinanessi est la meilleure pour trouver des surnoms horribles. Ah bah voilà. Ça c'est bien vrai. Tu vois, j'ai toujours raison. C'est dingue. Ah là là. Bon, allez, je vais vous libérer, les amis. On a des jolies côtes. On se réorganisera ça une prochaine fois. Maintenant que je sais comment ça fonctionne et ce que ça donne, il va falloir que je fasse quelques petits réglages au niveau truc. On va pouvoir remettre un petit peu de musique. Il est quelle heure? Faudrait aussi que tu dises quelque chose de gentil sur Shinanessi, histoire qu'elle ait au moins une côte avec un peu gentil dessus. Bah, Shinanessi, elle sait que je l'adore. Elle le sait tellement que j'ai plus besoin de lui dire. Faut pas que tu le dises dans le but que ça soit qu'une côte. De toute façon, il suffit de regarder tous mes lives. À chaque fois que Shina apparaît, j'ai un grand sourire. Je coterai que quand tu seras pas au courant que je vais coter. À chaque fois que je fais la gueule, c'est quand je suis là, par contre. C'est autre chose. Je reconnais. C'est dans la tête. Oh, merde. Merde, voilà. Merde. Bon, ben voilà, c'était la fin du live. Au revoir, merci tout le monde. Alors, on est déjà à 1h30, mais putain, mais j'ai rien fait. C'est ce que je te dis depuis 1 heure, déjà. C'est à cause de vous, hein, voilà. Ils sont là, ils rigolent, ils me racontent des blagues, et puis maintenant, bah voilà, je suis en retard. Bon. Alors, moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est une petite pause. Je vais vous remettre de la musique. Faire pendant 1h30. Ah ouais, mais il faut quand même que j'aille cramer un elfe. Toutes les 1h30, il faut que j'aille cramer un elfe, sinon ça m'énerve. C'est le rituel. Ah, c'est le rituel. C'est pour décharger le stress. Oh, putain. Alors, donc là, je vais mettre en pause, je vais remettre de la musique, on se retrouve donc juste après. En tout cas, donc merci les copains d'être passés sur ce petit stream vocal, c'est bien cool. Mimirage, Tardenko et Zig de jeu avec sa voix de chagasse. De rien, de temps que c'était très volontaire de ma part, donc il n'y a pas de souci. Avec Zig de jeu avec sa voix de chagasse. Merci à tous les trois d'être passés. Et on refera ça, alors j'essaierai de trouver, enfin d'essayer d'adapter un petit peu les réglages pour dire que ce soit un peu plus agréable pour les viewers. Parce que là j'ai dû couper complètement la musique pour que ce soit pas... Donc je vais chercher la bonne ouais, méthode. Par exemple, la météo. Qu'est-ce qu'il dit, Planète Théo? Eh bien, bonne soirée. Mais non, pas bonne soirée. À bientôt, on vous retrouve sur bonne pause. À l'écrit. Et on revient après une page de publicité. Allez, à tout de suite. Ciao, la pub de merde, tu sais, dans les ascenseurs et tout. Salut. À plus. Ludo, tu nous vires ou on s'autorise? Ben voilà.
Voilà. Alors. Hop, je repasse en live. C'est parti. Il fait plus de postes qu'il bosse, Ludo. Ça, tu vas voir, hein. Fessé, allez hop, fessé pour tout le monde. C'est parti. C'est fini de rigoler avec vous. Fessé général. Alors. Salut, salut Clean Panda. Comment ça va? T'as raté tout le bordel. Alors. On se fait un petit SR. Ça vous dit ou ça vous dit pas? Un petit SR. Bonjour, au revoir. Fessé sauf pour les modos. Non, fessé surtout pour les modos. Bonne soirée à tous. Bon live, Ludo. Salut, Planète Théo. Merci d'être passé. Des gros bisous. À très vite. À samedi. Tout. Alors. Comment ça va, Clean Panda? Tu as passé une bonne journée? Oh my god, Ludo aime ça, coquin. Alors, ça vous dit SR, oui, non, non, oui. Parce que sinon, je mets... Alors, vous choisissez. Soit je mets le SR. Donc, le SR, ça veut dire que c'est vous qui me mettez des liens avec les musiques. Et puis, on écoute un petit peu ce que vous aimez. Ou soit... Ou soit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre on se met une OST tranquille, de je sais pas quoi. Les mêmes trucs que d'habitude. Parce que j'ai la flemme de chercher. Ouais, moi ça va très bien, écoute. Tu viens de rater le premier live multivoice. Donc sur le Discord, j'ai ouvert un canal pour dire qu'on puisse discuter tous ensemble en live. Et donc, Sterdenko, Mimirage et Zig de Jeu sont venus faire un petit coucou en live. Donc c'était assez sympa, mais il faut que je fasse encore des réglages. Il fallait que je teste en live pour savoir comment ça fonctionne. Mais il va falloir que je fasse encore des petits réglages. Live multivoice, ça ressemblait un peu aux grosses têtes. Et toi, tu faisais un mandalire, forcément. Alors. Est-ce que j'ai déjà du SR? En fait, dans l'absolu, j'aimerais bien que vous me disiez, on fait le SR. Le SR. Vous avez pas l'air motive. Il me reste quoi? Ah putain. Et Shinanessi, la dernière fois qu'il nous a mis du Crazy Frog. Bravo Shinanessi. Alors, je vais vider tout ça. Ok. Voilà. Donc, le SR est allumé. Si vous voulez, vous pouvez mettre des chansons. Et si j'en ai assez, genre 5-6, alors je lancerai. Et moi, je vais commencer... par en mettre une tout de suite, une que j'adore. Bonsoir, bonsoir, salut Mathilde. Alors, tac. Et après, comme ça, pouvoir avancer sur le dessin. Parce que bon, c'est pas le tout, hein, mais... Hop, point d'exclamation SR. Spécial dédicace aux copains d'Halloween.
Hey! No, 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 no. Voilà. Voilà, donc moi j'en ai mis un. Si vous voulez en mettre, point d'exclamation SR, et vous mettez les chansons que vous souhaitez. Et des chansons sympas. Voilà. Alors, bon, allons-y. Donc. Donc, je vous rappelle, là, on est en train de. Je vous rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver ou les personnes qui regardent, parce qu'on a aussi des personnes qui regardent directement sur YouTube. Maintenant, le live a lieu sur les deux plateformes. Donc, on est en train. On fait un live Magical Girl. Sur les derniers lives Magical Girl, on avait designé les ciseaux magiques, donc qui permettent à notre Magical Girl Lucy d'obtenir des pouvoirs. Et ces ciseaux magiques se transforment en deux armes, l'épée Anna et la lance Isabella. Et là, on est en train de travailler sur le coffret qui a permis... Donc le coffret qui contenait la paire de ciseaux magiques. Le dessin avance, XD. Bon, donc là, des étoiles, ça va. Là, ici, on va mélanger un petit peu les voilages des robes. Pour dire d'avoir un peu une petite structure. On va reculer un petit peu pour voir si ça fonctionne. Oui, c'est à peu près pas mal. Bon, après avec la texture ça sera hop. Ah, mais Planète Théo est parti pour jouer au jeu. C'est honteux. Alors, j'en ai combien là? Clean Panda, j'ai l'impression que ton. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Ah, là peut-être maintenant que oui. Alors après, faites gaffe, il ne faut pas mettre des chansons trop longues, pas plus de 10 minutes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je fais juste un petit tracé rapide qui me servira d'effet de profondeur, en tout cas de gravure sur le coffret en bois. Voilà. Ça, j'avais tellement besoin de faire un gros travail. Donc là maintenant, Ster, tu vas pouvoir streamer. Si tu veux avoir un nouveau PC, dis-moi. Ça va être cool ça. On va pouvoir venir te voir. Oh.
Ouais, j'ai hâte. Ah, du coup, on n'entend pas la musique en fond. Bah là, pour le moment, elle est pas lancée. Pour le moment, c'est toujours... C'est toujours la BO, hein. De Little Witch Saga. Hop. Normalement, ça devrait être un petit peu mieux, là. Voilà. Alors, on en a combien là? Tiens, il va peut-être falloir que je le relance parce qu'il m'a pas tout mis. Tum, tum, tum. Non, j'en ai toujours que deux. Hein. Ah, celui de Chasson est bien rentré. Ouais. Faut bien copier les liens YouTube, hein, sinon ça passe pas. Vous pensez qu'on arrivera à atteindre les 100 followers pour le 18 novembre? C'est chaud, hein? J'espère qu'on y arrivera à temps. Hop, voilà. Zig de jeu, tiens donc. Ah bah ça avance enfin. Vous pensez que c'est possible de timeout un modo? Oh non! C'est l'heure du 10 bingo! Oh là 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 là, j'espère que vous avez bien regardé. Hop! J'espère que vous avez bien regardé le leaderboard. Allez hop, c'est parti. Non, il faut pas mettre de point d'exclamation à Zik, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, Sterdenko, well done. Bravo Sterdenko. Hop, voilà. Donc c'est Sterdenko qui a remporté aujourd'hui le 10 bingo. Alors Sterdenko, à qui souhaites-tu prendre 50% des Ludostars, dis-moi.
Hey, mais j'avais mis le 7 aussi. Ouais, mais tu l'as mis juste après, Chassod. Juste après, si tu regardes, Stardenko, et toi, t'as été à quelques secondes juste après. Alors, Stardenko, je te rappelle que t'as une minute pour choisir. Ah, Shinanessi. Il y a de la triche, Tergat, tu vois, ça y est, recommence. Il recommence, hein. Je vais mener l'enquête. Et comment... Non, mais et... c'est parce qu'à chaque... Mais non, la dernière fois, c'est Chassoad qui a gagné. Et elle a gagné, et en plus, elle m'a pris 50% à moi. Et Trash Talk m'a même pas défendu. Je sais pas comment je fais. Allez, va. Alors, allons-y. Voyons voir... Shinanessi, on a 12 742. Alors, 12 742 divisé par 2, ça fait 6371. Donc, j'en enlève 6371. Voilà. Et je le rajoute à mode austère. Voilà, bien joué mode austère. Alors, voyons voir. Pam pam. Ah ah, mode austère repasse devant. Elle repasse troisième. Chassot toujours première. Sterdenko deuxième. Et Planète Théo troisième. Planète Théo qui la joue très cool. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il la joue bon copain avec tout le monde. Attention, c'est une stratégie de la non-agression, ça. Faut se méfier de Planète Théo. En tout cas, Planète Théo qui est troisième. Shinanessi, j'en ai le moins. Il y avait une personne qui en avait 24 000. Mais si tu dépenses, tu fais gagner le système? Non, alors ça dépend. Si tu achètes des... si tu libères des elfes, les Ludostars reviennent dans la banque. Mais par contre, si tu les dépenses pour une autre récompense, là non, c'est, ils sont dépensés. Voilà. En gros, si vous libérez un elfe, c'est que vous m'achetez à moi sa liberté. Donc, c'est moi qui reprends l'argent. Mais il est trop choupi, Planète Théo. Bah ouais, regarde. Avec le système anarchie. Faites comme moi, dépensez tout, il n'y aura jamais de gagnant avec le système. Ça t'empêche pas, Zig de jeu, d'avoir participé au bingo, hein. Là, pas du gars de Zig de jeu. Zig de jeu, je pense qu'il a une collectionnite aiguë. Quand vous le regardez jouer, le mec, il va atteindre tous les objectifs comme un dingue. Il veut être à 120%, pas à 100% des objectifs, à 120%. Tu dépenses tout comment? Bah, je sais pas. Et là, s'il avait gagné, il serait comme ça, ouais. Mais bon, voilà. Bon, donc ça, c'est fait. Thank you.
Voilà, donc on a la représentation des deux déesses, Isabella et Anna. Donc la version humanifiée des deux armes, l'esprit des étoiles jumelles. Donc, il me manque une étoile, puisque ce sont des étoiles jumelles. Ah, il y en a deux ici. Bon, ouais, ça fonctionne. Ok. Alors, on va garder ça. Ok. Alors. Ça, on va merger. Dupliquer. Les sisters. Hop. Voilà, elles sont là. C'est good. Bon, maintenant le coffre. Zig de jeu, je crois qu'il a une collectionnite aiguë. Pourquoi ? Le chat est cool, ouais, il est trop cool le chat. C'est mon petit trash talk d'amour. Tom. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui sont en train de suivre le like, mais qui n'ont pas encore follow, n'hésitez pas à follow la page. Et surtout, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou dans le chat, à venir discuter avec nous. Comme vous l'avez vu, j'ai une communauté qui est complètement dingue, mais on passe quand même des bons moments. Alors, hop, c'est pas mon stylo. Ah, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait au dernier Cute and Little d'Halloween. Là? Non. Attendez, je vais chercher. Non plus. La fiole de la mort. Voilà. Mathilde RBN implore Ludopensol de relâcher un elfe. Bon. Allez. J'accepte. Comme ça, maintenant, sur le Discord, t'auras accès au club secret des libérateurs d'elfes et t'auras l'étiquette libératrice d'elfes. Mais je te prends 500 Ludo Stars. Hop. Voilà. Et donc ces 500 Ludo Stars, ils vont dans ma cagnotte personnelle. Ma cagnotte forcément qui augmente au fur et à mesure également des lives. Voilà. Hop. Yo, Diego Boots, comment ça va Diego? Ça fait longtemps, mais c'est clair. J'étais un peu busy dernièrement, j'ai plus trop eu le temps de passer. Bah écoute, je suis super content que tu viens maintenant. Comment ça va? Ouais, Diego qui aussi un viewer qui me suit dès le début, il m'a suivi aussi un peu comme Mimirage, dans les tout premiers temps. La liberté aux elfes. Salut Dasco7220, merci de regarder le chat, n'hésite pas à venir faire un petit coucou. Donc en tout cas, ça c'était, j'ai fait ça, cette fiole de mort, je l'ai fait au moment du Cute and Little d'Halloween pour les personnes qui n'étaient pas là. Et que vous pouvez de toute façon revoir en replay hein, si vous voulez. Je crois que les vidéos elles sont valables 15 jours si vous voulez voir certains lives particuliers. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau Diego, dis-moi.
Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, yeah, liberté aux elfes, ça va beaucoup de travail pour l'école en ce moment, mais tout va, et toi, Code 9, bah écoute, ça va tranquillement. Le stream se développe bien, de plus en plus de viewers, une communauté qui est bien cool. Aujourd'hui, on a testé pour la première fois le live vocal. Donc en gros, en fait, c'est des viewers, des modos, etc. qui se connectent depuis le Discord et qui viennent discuter avec moi en live. Donc je voulais tester ça, en fait, pour puisque, bon, tu sais, on essaie toujours de mettre des trucs nouveaux sur les lives pour rendre les trucs intéressants, quoi. Et donc voilà, on a testé ça aujourd'hui et on vient de faire le 10 bingo, donc, qui permet aux personnes qui le gagnent de voler 50% des Ludostars aux viewers ou aux followers de leur choix, voilà. Et c'est Stardenko, la modératrice, qui vient de gagner et qui les a pris à Shinanesi. Voilà. Donc ça, après... putain, c'est vrai que ça fait longtemps que t'es pas vu. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre de nouveau sur la chaîne? J'ai eu mes premiers dons. J'ai eu mes premiers subscribers. Je suis passé, comment on appelle ça, affiliate. Et voilà, et donc on se développe tout doucement. Bien tranquillement. Bon, même si je me fais engueuler parce que je parle de trop a priori en live et je dessine pas assez. Je suis maltraité par ma nuque. Je suis maltraité par ma communauté. Non, je t'assure, hein, Diego, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, j'ai une super communauté, il n'est pas nécessaire d'appeler la police. Donc, ouais, voilà, tranquillement, pauvre Ludo. C'est cool, le stream prend de l'ampleur, bah ouais, tranquillement, ouais, c'est clair. Et moi j'aime vraiment beaucoup streamer sur Twitch. Je pensais pas que ça m'aurait autant plu. Ah, et je fais aussi maintenant du stream de gaming. Enfin, j'ai commencé il y a pas longtemps, hein, c'est bon, j'en ai fait 3. Je suis en train de streamer FF9. Voilà. Donc on fait un let's play FF9. Je vais essayer de le faire à peu près bien. Enfin, d'essayer d'avoir un maximum de quêtes annexes et tout. Des bons équipements, un bon level. Parce que je suis vraiment un gros fan de Final Fantasy, surtout le 9, et entre autres, hein, mais celui-là il a vraiment une très grosse place dans mon cœur, et donc voilà. Comme j'aime beaucoup ce jeu-là, que j'adore le design du jeu, j'ai dit allez, je me lance, je fais du gaming, et du gaming en fait, parce que Zig de jeu fait du gaming, donc Zig de jeu qui est aussi un des modos qui est là sur la chaîne. Tu as marqué pas liste de temps à marquer help qu'à dessiner, c'est vrai. Bah ouais, mais toi, tu passes bien plus de temps à jouer qu'à composer. Zik. Et donc, du love pour tous, ouais, clairement. Et donc, Zik, en fait, était en train de faire FF9. Donc, Zik, bon, il faut savoir aussi que c'est un truc de fou parce qu'il a déjà 100 jeux, il a déjà streamé sur 100 jeux, plus de 100 jeux. Et donc, encore une fois, hein, si vous suivez pas Zik, allez-y, hein. C'est vraiment cool. Il y a une communauté avec plein de gothiques, des gens blasés, des artistes.
Et donc il faisait FF9 et en fait il m'a trop donné envie de le refaire, donc voilà. Voilà. Et toi alors l'école, comment ça se passe? Désolé, on est en train de se taper un peu, petite discute entre nous deux, mais comme Diego, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu, j'aime bien avoir des nouvelles. Comment ça se fait que t'as un emploi du temps de fou comme ça à l'école? Hop. Donc ça on va réduire. Bah si ça veut bien s'afficher. Hop. Transforme. On voit pas beaucoup. Bon, tant pis. Vous aurez vu le dessin de base. Oui, on a une semaine de workshop qu'on s'est tapé du montage vidéo, animation, etc. Et du coup, j'ai pris plein de retard dans mes autres travaux. Donc voilà, j'ai pas vraiment géré mon timing et j'en paye le prix maintenant. Ouais, c'est clair. Bon, après, franchement, ils cherchent des élèves. Moi, ici, on a une super école de jeux vidéo, ici dans le Valenciennois. Les élèves, ils ont tellement de taf qu'ils sont obligés de dormir sur les canapés de l'école. Ils peuvent pas rentrer chez eux, en fait, ils ont pas le temps de rentrer chez eux. Donc ils dorment en dessous des bureaux. Ils dorment sur les canapés du truc de l'accueil. Donc moi, franchement, je trouve que c'est un petit peu problématique quand même de donner une masse de travail comme celle-là aux étudiants. Enfin. Bon, après, si tu dis que c'est toi qui as géré ton timing, bon bah voilà quoi. Mais après, il y a des écoles qui exagèrent quand même énormément. Et en plus, ils mangent des céréales. Ils se font pas de repas, ils mangent des céréales, les pauvres. J'espère que c'est confort. Ouais, mais je pense pas que ce soit vraiment confort. Hein, mais... Qu'est-ce que tu veux? C'est censé, normalement, les préparer au monde réel. Mais franchement, moi je connais le monde réel, hein. j'ai dirigé un studio et franchement, c'est déjà impossible de faire travailler un employé sur ce taux horaire-là. Donc, je sais pas vraiment ce qu'ils essayent de leur faire comprendre. Je sais pas trop. Ou alors finalement, ils les préparent au rush dans la production, tu sais. En disant, ouais, vous verrez quand vous serez dans un vrai studio avec un vrai boulot. Vous aurez tellement de travail, faudrait être prêt à faire des heures, etc. Mais enfin, c'est leur donner l'impression qu'ils sont des esclaves modernes. Alors que c'est pas tout à fait comme ça. Alors bien sûr, en fin de production, quand tu es sur un film d'animation ou sur un jeu, t'as les délais qui courent, machin, bon, je veux bien, quoi, mais il faut pas exagérer non plus, quoi. Et donc, si vous êtes étudiant et que vous mangez des pâtes ou que vous mangez des céréales, parce que moi j'ai plein de potes étudiants qui bouffent des céréales, t'as fait un effort, mettez dans un pot commun et que vous pouvez vous faire des bouffes à plusieurs. Ça a plus de sens et vous pourrez acheter des trucs mieux et vraiment vous nourrir, quoi. Plutôt qu'acheter vous-même votre petit truc d'un côté.
Alors, voyons voir. Tiens, c'est bizarre, mon chat est bloqué. Il y a un bug? De votre côté aussi, la vidéo est bloquée? Hop, je relance ça 2 secondes. Allô, allô, il y a quelqu'un? Ah, moi ça bouge pas. Ok, d'accord. Ah bon, moi ça va. Ah si. Bah ouais, moi j'ai eu une grosse coupure. Oui, t'inquiète, on t'entend, bon, ça va. J'ai eu une grosse coupure sur. De mon côté. Ah bon, moi ça va. Ok, merci. Hop. Voilà. Moi merci. Mais bon, en même temps, pour en revenir, je sais pas de quoi les étudiants pourraient se plaindre, parce que quand on regarde déjà moi comment mes viewers me foutent la pression, hein. Bon, on se met de la musique, tout le monde a mis du SR ou pas encore? Alors, on va voir. 1, 2, 3, 4. Bon, je lance le SR. Hop, parce que j'ai trop envie d'écouter cette chanson que j'adore. La fête de trop de Eddie de Preto. J'aime vraiment énormément cette chanson. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Allez, je lance ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez rajouter des chansons, point d'exclamation SR. Et voilà. Vous me dites hein, si on entend bien. Je monte un tout petit peu le son. Et comme ça, on va pouvoir s'en faire.
Oh là là, j'aime trop cette chanson, j'aime vraiment trop. C'est l'ambiance. Ah. Requested par Chassaud. Pornophonique. Chassaud, elle a toujours des chouettes trouvailles. Roster Denko. Elle se connecte, elle s'est reconnue. Non, je suis toujours là. Bah oui, c'est parce que votre ami Serdenko vient de rejoindre la diffusion.
J'ai dû laguer, ouais, certainement, ouais, à fond. Elle. Yeah. C'était joli.
Sardenko essaye de voir ce que chante Beyoncé. Il est vraiment temps que t'aies un nouvel ordinateur. Alors, on va en profiter pour regarder un petit peu. Bon, comme là, j'ai presque terminé le coffret. Hop, on va regarder un petit peu The Art of Viewer. Donc, je rappelle pour les personnes qui connaissent pas, en fait, quand vous allez sur le Discord, Sterdenko, si tu veux bien remettre la commande Discord dans le chat, c'est point d'exclamation Discord. Vous avez donc un salon du Discord qui s'appelle The Art of et qui vous permet de venir poster vos travaux. Et donc on va faire un petit peu le tour de ce qui nous a été posté. Alors... On commence par un petit dessin. Tadam, de Shinanessi. Un petit chaudron. Un chaudron pumpkin. T'es là, Shina? Shinanessi. Je ne suis pas rancunière, c'est qu'un jeu. Merci, Stan. Donc ça, c'est Shina qui nous a fait ça. Alors, c'est du papier... En fait, au début, je croyais que c'était une ardoise, mais non, en fait, c'est du papier. Papier gris au crayon blanc. Voilà. Donc ça, c'est ce que Shina a fait pour Halloween. Ensuite... Bravo, Shina. Ensuite, on a... Slend. Ça fait partie de sa collection Inktober sur le thème Fierce, féroce en anglais. Il nous a fait un... Ça ressemble à un chat hein, quand même. Un chat à trois têtes avec un torse imberbe. C'est très slendien. D'ailleurs, sa signature est très slendienne aussi. Voilà, donc ça c'est Slane, donc c'était sa participation au Inktober. Donc je vous rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas, Inktober c'est tous les ans, au mois d'octobre. Et en fait, en gros, vous devez dessiner à l'encre un dessin par jour. Voilà. Ah, de base, je crois que c'était de la musique Crazy in Love. Gatsby Cover. Alors, ça, c'était Slend. Un chasseur d'elfes. Toujours de Slend. Voilà. C'est un chasseur d'elfes qui fait rire. Alors, voilà. Ça, c'était encore du Slend. Alors, ensuite... On a Kaetsu qui nous a mis enfin la version définitive de son travail. Le Purple Man coupé en deux. Donc c'est du crayon de couleur sur papier. Avec un petit personnage qui est coupé en deux. Et Kai n'est pas là ce soir. Alors on peut pas lui demander pourquoi, mais à l'occasion on lui demandera pourquoi le personnage est coupé en deux.
Alors ensuite on a quoi? Yeah, Chassod, Halloween, Be Natural, une petite pumpkin d'Halloween. Ouais, viens poster 2-3 trucs, Diego. Bleu papier. Ouais. Mais c'est pas une, Shina, c'est pas une sorte de papier gaufré comme ça, un peu. C'est pas vraiment lisse comme une feuille de ramette. C'est une sorte de papier un peu gaufré, non? Be natural, cool. Cahier chez Waxo. Ah bah voilà, tant pis pour lui. Donc ça, c'est Chassod qui nous a fait cette petite pumpkin. Et a priori, ouais, c'est de la peinture digitale et ça a l'air d'être fait sur Photoshop. Même si j'en suis pas complètement sûr, mais ça a l'air. Et ça, j'aime beaucoup Chassod. Quand les aplats de couleurs, en fait, dépassent le tracé du... Enfin, c'est un petit peu comme dans le sang à Dalmatien. Si vous regardez bien, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est un délire de dingue. Sang à Dalmatien de Disney. On prend on fait jamais rarement attention au background dans les films d'animation. Mais il y a des trucs sympas. Background, c'est les fonds, en fait, hein, en anglais. Normalement, celui-là, ça devrait être assez clair. Ah ouais, celui-là, c'est très clair. Hop. Voilà. Donc là, vous l'avez ici dans les hop, 101 Dalmatien. Bon, en fait, donc vous avez le tracé au crayon qui est là. Et en fait, si vous regardez bien, bon là, on le voit pas trop, mais on le voit plus ici. En fait, les personnes, les coloristes, n'hésitent pas finalement à faire des zones de couleurs qui dépassent largement les tracés de l'environnement. Je vais essayer de trouver un autre qui va vous le faire voir. Ah là, ici, hop, voilà. Là, vous l'avez complètement sur les livres. Je vais zoomer un peu. Voilà. Si vous regardez ici sur les livres, voilà, le tracé est là, par exemple. Et pourtant, le marron, il est là. Et là, il dépasse. Et là, ici, le vert, c'est carrément qu'un coup de pinceau. En fait, il est venu faire un coup de pinceau ou un coup d'éponge. Et voilà. Et donc, ça dépasse très, très largement les tracés. Et c'est pas, en fait, de la malfaçon. C'est vraiment une décision artistique. Donc, j'aime beaucoup, en fait, enfin, pour mon cerveau, c'est très agréable. Donc, bravo, Chassod. Ouais, c'est du PSD, d'accord. Ok. Alors, ensuite, on a quoi? Ah, j'ai plus de SR. Ton dernier titre est pas passé, Chassod. Je sais pas ce que t'avais mis, mais... Donc, si quelqu'un veut bien remettre du SR, ça serait cool. En attendant, je remets de la petite... Oh, on va mettre... bon, on va remettre ça en attendant parce que j'ai pas le temps de chercher. Alors maintenant, on a notre mot d'amour.
Il a l'air blasé, il a envie de partir en soirée. Vas-y, laisse-moi tranquille avec ton déguisement là, j'ai envie de partir maintenant. Je suis sûr qu'il a dû y passer 3 heures, mes skins. Alors, hop, ensuite on a quoi? Ensuite on passe à Diego. Attends, je regarde en même temps le chat. J'ai les yeux verts, XD. Il commence à se déchirer. C'est une écriture codée d'Alien. Bah ouais, je m'en doutais, mais alors ça a un vrai sens ou pas? Ou alors c'est une sorte d'écriture automatique? Parce que moi j'en fais aussi quand je fais des trucs, tu vois, genre des livres de magie, des pentagrammes, etc. pour les jeux vidéo. Je fais de l'écriture automatique en gros, enfin je fais des petits symboles, puis forcément quand tu prends un rythme, ça voilà. Diego, alors Inktober, c'était le 6. Je me souviens plus, c'était quoi le thème du 6? Une main crucifiée. C'est chouette. Ça ferait un super tatouage. Bon, peut-être pas avec la forme noire derrière parce que. Forcément, de loin, ça aurait pas tellement de sens, mais avec, tu sais, en gardant cette épaisseur-là, ça fera un super tatouage. Well done, c'est classe. Alors, ensuite... hop. On a ça, et je pense que c'est toujours Diego. Go, je suis pas sûr. Fierce. Un loup avec les mains. Adaptation intelligente du sujet, c'est pas mal. C'est propre. Alors ensuite, nous avons Mathilde. Oh! Et moi j'ai que des artistes de fou hein, chez les viewers dans mon live. Bien ouais les gens, c'est classe. Alors ça c'est Mathilde qui nous a fait une petite créature, un œil volant. C'est vachement chouette. Hein. C'est en quoi? Tu l'as fait en quoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que je vois pas super bien avec les captures en JPEG. C'est quoi tous les petits traits qu'il y a là? C'est très fin. Ça fera aussi un super tatouage. Ou un super tatouage ou un super... des super illustrations pour un bouquin. Pour un livre, un conte ou un traité psychologique sur... les détresses de l'enfance. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup. J'adore le genre de créature design complètement what the fuck comme ça. Donc si tu veux bien nous dire ce que c'est comme process, chez Diego j'ai vu que c'était du feutre et de l'encre. Mais là, juste ces petits traits, j'arrive pas à définir, j'arrive pas à voir avec la photo. Regarde Discord. Bah bien sûr que je veux. Notre petite Mimirage. Qui nous a fait une petite Lolita. Sorcière d'Halloween. Au feutre. C'est classe.
J'aime bien ça. J'aime bien sa sucette. Bien joué. Ah. Et un petit costume qui vaut le coup aussi, c'est pas mal. Costume d'Halloween et maquillage d'Halloween. Demi-mirage. Avec des petits yeux, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais ici il y a des petits yeux. Bien joué. Alors Mathilde, c'est du feutre. Eh ben, ouais, GG Mathilde, bravo. C'est classe. Aquarelle, costume de moi-même et le visage aussi. On voit pas la tête. Hein. Rostardenko. ...2h30 environ pour Dark Maul, ouais, bah, je m'en doutais. Bah, tu vois, j'avais dit 3h. Salut Inox le chat. N'hésite pas à venir faire un petit coucou sur le chat. N'hésite pas à discuter avec moi et avec la communauté, qui est plutôt sympa. Et là, on est en train de regarder un petit peu tout ce que les viewers ont fait depuis le dernier The Art of. Ah ouais, t'as choisi Clément, Diego, ouais. Bon ouais, pourquoi pas, c'est un bon moyen de traiter les sujets, ça pousse à l'imagination. Est-ce que quelqu'un veut des M&M's? Bon, on reste un petit peu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 14 M&M's de Noël. Allez, je fais un giveaway. C'est parti. Je vous envoie les 14 M&M's de Noël. Ah, je t'envoie ton paquet demain, Stardenko. J'ai enfin trouvé un petit carton. J'aime tellement ça les M&M's. Combien de Ludostars les M&M's? Comment tu vois le dessin derrière ça, toi? Bah, moi je te dis, je le connais par cœur. Tu en rajouteras dans mon colis. Il disait, non, trop tard, il est scellé, c'est tout. Allez, giveaway de M&M's. Vous avez le droit à 14 M&M's de Noël. Il en reste 14. Normalement.
Attends, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. Vous avez droit à 14 M&M's de Noël. Spécial Ludopelson. Il y a la petite étiquette. Bon, le paquet est ouvert, hein, je suis désolé. Hop. Je ferme le sachet. Voilà. Je l'aurai pour mon anniversaire si ça continue. Et on fait un... Alors, comment ça s'appelle déjà? Un... Alors, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner les 14 M&M's de Noël de Ludopensol, vous écrivez après la commande. Donc là, je vais rentrer la commande. Vous écrivez point d'exclamation Enter. Point d'exclamation Enter, tout collé. Salut Lionzac! N'hésite pas à faire un petit coucou dans le chat, à venir discuter. Et là, on est en train de faire un giveaway des 14 M&M's de Noël qui me restent. Il va vraiment finir par nous faire gagner son slip. Ouais, Zig, t'arrêtes parce que... Tout ça parce que tu le veux. T'arrêtes. Je vais te faire juste un truc dans le... Comment ça s'appelle? Dans le système de loyalty, je vais juste faire un prix pour... Pour Zig de jeu. Salut Lionzac, comment ça va? Donc, je vous rappelle, hein, pour pouvoir gagner... je code direct. Pour pouvoir gagner les 14 M&M's, vous envoyez point d'exclamation Enter. Enter, ouais, Enter, hein, pas Hunter. Non, c'est point d'exclamation, Enter. Point d'exclamation et le mot Enter, entrée en anglais. E-N-T-E-R, tout collé. Exclamation Enter. Arrête de foutre la merde, Zik. Merde, mais c'est quoi ce modo là? Bouh, papy. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Chine? Non, merci, je suis en sèche. Ah merde. Ouais, mais moi aussi je fais du sport, Lyon, mais ça m'empêche pas de manger des M&M's. Comment ça va? Bienvenue, hein. Fais comme chez toi. Je vais même pas avoir envie de participer parce que si je gagne, je vais être deg. Franchement, si tu gagnes, ça me ferait mourir de rire. Le gars qui m'a fait une crise parce qu'il a perdu, c'est Ludostars. Qui a chouiné. Et tu serais même pas content d'avoir 14 M&M's de Noël.
Si je gagne, je porte plainte. Tu l'as choisi ton moto, assume. Ouais, bah ouais, c'est bien. Enfin, j'ai pas vraiment choisi, hein. Alors, on a quoi maintenant comme chanson? Criminal, toujours de Britney. Britney! Alors, voyons voir. Ça y est, je pense que j'ai trouvé, enfin. Draw End? C'est ça le truc? Oh, casse les bonbons ceux-là! Je suis toujours en train de chercher, hein. Il y a un paquet pas encore ouvert dans la cuisine, alors pour les 14, je vous les laisse. À quand le giveaway? Genre, tu connais les paroles de Pencil? Bah, bien sûr que je connais les paroles. Et que ton chat stoppe de dire que je boude. Mais tu ne te donnes pas d'ordre! Je suis shot de fou, je kiffe trop les M&M's, mais c'est trop fort les M&M's. Prie pour que Zig de jeu gagne. Il a Hunter ou pas? Il a pas Hunter. Mathilde Hunter, j'ai vu. Moi j'ai pas vu Zig Hunter hein, pour le moment. Ah? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont en train de se taper. C'est tape grave. You okay? You okay? Wait. No, I'm okay. Je trouve pas la commande. Le mec relou, tu sais. Oh putain, hey, Google, tu me casses les couilles, hein.
Mirage. Bravo Mirage, tu as gagné les 14 MMMs de Noël. C'est la seule qui le voulait vraiment. Ben voilà, tu as gagné les 14 MMMs de Noël. Donc je ferme bien le sachet pour pouvoir te les envoyer. Je pleure bordel. Désolé pour la galère de commande, mais en fait on peut pas accéder à la page. Google la bloque. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai dû passer sur un autre truc, passer au-delà des... Vient de gagner. Et maintenant, la voiture. Mais désolé Mimi, toi tu as les M&M's. Des bisous, au revoir. Je veux bien. Bah ouais, c'est ça. Et pour pouvoir faire un giveaway de 200€, il faudrait me faire des dons. Un giveaway, ça veut dire vous donner ce que vous avez reçu. Je gratte, on sait jamais, je vise toujours le grade modo, moi. Bon, il est minuit 20. Il va être l'heure pour moi de vous laisser. Je vais passer donc en mode au revoir. Voilà. Sauce. Oh non! J'en peux plus de ce son. Vas-y, zig de jeu. Tu sais pas contacter, contacter OBS et leur faire un système pour le son qui soit un peu plus adéquat. C'est quand même dingue, quoi. Ouah, désolé, ça a craché. Relancez. Ah, ça m'énerve quand ça crache comme ça. Adresse envoyée, ouais, j'ai vu Mimirage. Ah, c'est bon. On veut les photos. Bon, bah donc en tout cas, moi je vous fais un gros bisou à tous. Merci à tous d'être venus. Merci Mimirage, merci... Sterdenko et Zig de Jeu d'être venus avec moi sur le petit live vocal. C'était bien cool. Je peux contacter OBS évidemment. Zig de Jeu, quand ça concerne le son, il n'y a qu'une personne qui peut arriver à faire tout ça, c'est toi. Donc en tout cas, un gros merci à tout le monde d'être passé. C'était vraiment cool. On a encore eu bien du monde ce soir. Pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à follow, surtout, de façon à pouvoir être averti des prochains lives. Surtout, n'hésitez pas, ça vous permettra de recevoir un petit mail qui vous dit quand je suis en stream et que la communauté est là. Je pense notamment à notre ami... je retrouve je me souviens plus de son... Ah, Lionzac, voilà. Donc, merci Lionzac d'être passé nous faire un petit coucou. De moi en train de les bouffer. Attends, vu que ça a coupé, on peut réhost pour 500. Non, on peut pas réhost pour 500.
Votre réflexion, ça dit que ça m'intéresse. Bon, allez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne nuit. Et je vous envoie... je vais vous envoyer chez quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas encore. On va voir ça. On va regarder qui est en live. Une petite personne que vous aurez envie de découvrir, à qui vous aurez envie de faire un petit coucou. Oh, il n'y a personne aujourd'hui. Ah, il y a Waxo. Ah bon. Eh ben, on va passer chez Waxo. Alors, je vous envoie chez le petit Waxo. Je lui ferai un petit coucou. Je passerai certainement leur faire moi aussi un petit coucou tout à l'heure. Voilà. Donc, encore merci à tous d'être venus. Les personnes qui suivent le live, n'hésitez pas à faire un petit follow. Ça sera vraiment sympa de votre part. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite. Des bisous. Ciao, ciao.